Bonjour Loïc Mahon, conseiller commercial société Lestringue. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce magnifique mobile Veta. Il s'agit d'un Amiral 5.1 sur une longueur de 6 mètres, 2,05 m de large et 2,65 m de hauteur. Présentation extérieure, il s'agit d'un véhicule sur un porteur Fiat Ducato 2,2 litres, 140 chevaux. Le véhicule est équipé donc d'un Skydome sur la partie supérieure, amenant énormément de luminosité à l'intérieur du véhicule. Il est équipé de jantes aluminium Biton en 16 pouces. On retrouve donc une barre à LED complète sur la partie supérieure du véhicule, possibilité bien sûr de mettre un store extérieur. Les baies sont affleurantes, les baies sont complètement lisses par rapport à la porte. On a un marchepied électrique sur la partie inférieure du véhicule. Vu donc de la partie latérale droite, on retrouve ici le remplissage des eaux propres d'une capacité de 100 litres. Vue arrière du véhicule, dans la partie supérieure, on retrouve donc ici la caméra de recul, bien sûr les deux baies ouvrantes et une vue de l'ensemble de l'arrière. Vue de la partie latérale gauche, on retrouve ici donc bien sûr la cassette de double WC. Sur le côté d'évacuation du système de chauffage, il s'agit d'un système de chauffage trauma gasoil. Et enfin, ici, la prise branchement secteur 220 volts. Présentation intérieure du véhicule. Ce véhicule est donc équipé de store Remis, aussi bien sur la partie droite que sur le pare-brise, ainsi que sur la vitre latérale gauche. Le tableau de bord, il s'agit du tout nouveau tableau de bord Fiat Ducato, équipé donc du système audio directement au volant, du régulateur limiteur de vitesse ainsi que du système de téléphonie. Il s'agit d'un boîte manuelle 6 rapports avec ici la climatisation manuelle et dans la partie supérieure le système audio, écran tactile et caméra de recul. Les sièges conducteurs et passagers sont bien sûr pivotants, du plus bel effet, donc simili-cuir à carreaux. Dans la partie supérieure, on trouve des inserts de couleur taupe ainsi que sur les bourrelets de sièges. Voilà, et idem bien sûr sur le siège conducteur. L'espace dinette, dans la partie supérieure, on retrouve donc des meubles blancs dans la partie supérieure. La partie centrale est en couleur tech, mobilier bien sûr ouvrant, donnant lieu à différents rangements. Sur le côté, il est tout à fait possible de venir mettre donc une télé d'une dimension de 18,5 pouces avec montée sur un rail télescopique permettant de l'avoir des deux côtés. La sellerie est identique bien sûr au siège conducteur et passager, donc de couleur taupe et beige. La table a une particularité, c'est qu'il s'agit d'une table avec la possibilité de mettre en version portefeuille. Donc elle bascule, ce qui va permettre de pouvoir dégager l'espace au niveau du ventre et des jambes. L'espace kitchenette, donc toujours pareil, rangement dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, on retrouve donc un gaz avec une capacité de 2 feux. L'énorme avantage de ce principe, c'est que vous avez sur le côté un plan de travail en coriandre, donc de la pierre reconstituée, avec donc la partie évier qui est totalement coulissante. Voilà. Ça permet donc de garder un espace plan de travail. Dans la partie inférieure, on retrouve donc bien sûr des tiroirs. Il y en a 3 en totalité. Et sur la partie latérale gauche, une possibilité de pouvoir ouvrir complètement le meuble. J'appuie. Et à ce moment-là, vous avez des rangements de type casserolier. Le mobile Veta Amiral 5.1 ressemble très fortement à une consonance très portée sur le nautisme. Donc on retrouve vraiment l'imitation pont de bateau de type tech. Le cabinet de toilette, où on retrouve donc vraiment toujours la même chose, un lavabo en coriandre, le WC chimique bien sûr, et en fait le caillebotis au sol, et surtout la particularité d'avoir ce qu'on appelle une douche vario, c'est-à-dire une douche à paroi pivotante. Donc je vais vous faire la démonstration, petit bouton qui se trouve ici, push, on appuie, et on vient rabattre en globalité l'espace, ce qui nous donne une douche totalement et un espace parfaitement libre, couvrant le cabinet de toilette en évitant de pouvoir mettre de l'eau partout.
Le frigo, il s'agit d'un frigo à compression d'une capacité de 84 litres. Donc voilà, la partie, bien sûr, freezer. Et dans la partie inférieure, les étagères de rangement. On retrouve bien sûr un lanterneau. Chose importante, toute la partie pavillon est totalement moussée, ce qui lui donne un effet très qualitatif et moins de bruit, bien sûr, une meilleure insonorisation. La partie mobilier, donc, avec un rangement de type U, hein, toujours pareil, ces éléments totalement ouvrants, donnant accès à beaucoup de rangements. Sur la partie arrière, les deux portes sont donc ouvrantes, ainsi que sur la partie latérale droite. Ça permet de ramener énormément de luminosité au niveau du véhicule. Et donc l'espace couchage. Des lampes à LED, bien sûr, partout. Avec possibilité de brancher, il y a des ports USB. Petits ports USB partout, donc, permettant de pouvoir brancher téléphone mobile, etc. Vue panoramique de l'intérieur du véhicule porte ouverte, on retrouve donc le logo dans la partie supérieure mobile VETA. La partie, bien sûr, couchage. Et ici, donc bien sûr, la partie soute. Hein. Et de ce côté-là, les deux bouteilles de gaz 13 kg propane. Vue intérieure, porte coulissante ouverte. On retrouve donc toujours en coriandre le logo Mobile VETA, donc en défonçage numérique. La table avec la possibilité de pouvoir la mettre en extérieur sur le rail. Ainsi s'achève la présentation de ce Mobile VETA 5.1 Miral. On retrouve ici, donc vous voyez, là, le Skydome et une vue panoramique de l'intérieur du véhicule. Voilà. La porte ouverte coulissante et donc toute la partie mobilier. En espérant que ça vous donnera l'envie de venir découvrir ce superbe véhicule. À Seclin, à la société L'Estringuet. Bonne fin de journée, au revoir.